Allez, salut à tous, c'est Rayek, c'est parti pour un nouvel épisode sur Autonaut, petit jeu où je me régale. Donc je vais l'annoncer cet épisode et puis sûrement au prochain. Autonaut, à partir de... Bah après ces épisodes-là, ce sera le vendredi, donc normalement vous avez cet épisode qui sortira mercredi. Je l'ai sorti un lundi, mercredi, ouais c'est ça, mercredi. Le prochain sortira vendredi, et ce vendredi-là, il y aura le soir live de 20h à 22h sur la chaîne Twitch. Voilà. Et puis de 22h à minuit, normalement, on fera la suite de Génération Zéro. Mais ça sortira plus tard sur YouTube. Voilà. Donc, alors, on a été où? J'ai fait de l'auto-promo, ça y est, c'est fait, c'est fini. Ici, c'était les petites graines. On a réussi à choper nos herbes aromatiques. On a réussi à choper un palmier, qu'il faudra qu'on utilise de toute façon au bout d'un moment. J'ai prévu ce champ-là, ici, j'avais prévu pour faire du blé. Pourquoi ici, ça bosse pas et que ça me fait pas mes étages? Je suis sûr que c'est ma team construction qui vise pas jusque là-bas. Alors, où es-tu, team construction? Où es-tu? Il y a plein de trucs qu'il va falloir que je range et que je prévois. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Ici, c'est quoi déjà pour les faire? Il faut des planches et des poteaux. Donc j'ai juste besoin d'envoyer les monsieur planches et monsieur poteaux. Et puis lui, il est en panne. Recharge. Monsieur qui ramasse du sable. Alors, on a le temps. Parce que le sable, on en aura sûrement besoin. Alors, team planche... On va te stopper et on va te dire je veux que tu ailles bosser là-bas, comme ça tu me feras le dernier truc. Voilà, c'est parti. Et Monsieur Poteau, on va les renommer. D'ailleurs, si vous voulez votre petit nom, hein, n'hésitez pas à venir sur le Twitch. Hein, et puis un robot aura votre petit nom. Voilà, allez c'est parti, bosser, fais-moi mes tonneaux, enfin mes rangements. Ça servira pour après. On va peut-être commencer à voir pour essayer de faire de la bouffe, vu que maintenant, on a la possibilité d'avoir des herbes aromatiques. Donc, on va peut-être pouvoir faire notre premier robot, enfin, ou nos premiers robots, pour faire de la bouffe et donner un petit peu mieux à... Donner un petit peu mieux à manger au petit bonhomme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a des pommes, on a des courges... on a des baies, on pourra, de toute façon on pourra voir. Alors pourquoi le 2? À mon avis c'est que ça donne mieux. Ça, c'est des niveaux 2, donc ils seront un peu plus contents pour la bouffe. Alors le truc que je vais faire, je vais déjà me faire un premier robot. Alors déjà je vais déplacer ça. Et on va mettre la bouffe plus à côté par ici. On va faire le coin bouffe par là. Voilà. Comme ça, je préfère ici. Et on va se faire un gros robot avec lequel... Alors, c'est pas grave, il fera des allers-retours. Peut-être que je lui mettrai une upgrade speed. Mais c'est pour le début. Et puis, il faudra que je fasse des stockages ici aussi pour qu'il puisse mettre sa cuisine. Comme ça, après, j'enlèverai un des bonhommes qui est là pour la bouffe, genre celui qui fera sur les baies. Je vous dirai de me déplacer les trucs ici. Ce sera plus simple. Alors, stockage bouffe à côté des villageois. C'est ça. On va faire les stockages standards. Je vais les mettre à côté. Hein. Comme ça, il n'y aura pas loin à aller. Voilà, je fais les trois étages. Eux là-bas, ils ont terminé. On va les déplacer pour qu'ils fassent la construction. Voilà, comme ça, ils pourront s'occuper de la construction. Ici, les maisons, elles sont toutes en bon état, donc ok. Toi, boss, et toi ici, on va faire pareil, hop. Et viens par ici. Ça laisse de la marge, de toute façon. Voilà, allez, bosser bande de feignasses. Vite dit. Alors, on va se faire un petit robot. Donc c'est parti, ici il faut une bûche. Je pourrais les faire arrêter de bosser pour rien eux, en fait. Ils arrêtent de couper les arbres et autres. Ah, j'ai oublié de prendre ma planche.
Ma planche. Merci. Il voulait pas la prendre. Donc. Ok, deux planches. Pardon, c'est là. Désolé, fatigué. Et c'est parti. Après, il ne reste plus que la tête à faire. Donc une planche et une graine. Donc une graine ici. Et la planche qui va bien. Allez. L'autre là-bas avec, je dois avoir assez. Ah oui, c'est déjà tout, tout à fond l'argile. Ça vient un petit peu plus tard. On va le recharger puisque l'autre a pas l'air d'arriver. Voilà. Alors, niveau bouffe, ici on va déjà placer et on va dire. Ouais, je suis obligé d'y aller, moi, c'est vrai. Donc niveau bouffe, on a dit, on va partir plutôt sur les baies pour le moment. Ils sont peu importe. Ici, ils sont un peu. Au niveau champi, ils ont un peu de mal. Les baies, donc il lui en faut 4. Donc, monsieur là-bas, tu vas suivre les ordres suivants. Tu vas aller chercher 4 baies. Tu vas aller les mettre ici. Voilà, tu vas aller chercher une herbe aromatique là-haut. Pas grave, ça lui laissera le temps. Voilà. Que tu vas aller caler ici. Eh bien, c'est bien long. Tu prends ça et tu le cales là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est sa programmation, on va dire, basique. Maintenant, on va commencer à faire des petits trucs un peu différents. Ok. Donc je veux ça. Voilà, donc ça, je veux jusqu'à avoir les mains pleines. Parce que de toute façon, il peut aller maximum à 4. Après, déplacer vers le pot de mixage, ajouter au pot de mixage. Donc, jusqu'à avoir les mains vides. Il va se déplacer vers le pot. Alors, pot de mixage, il faut que j'enlève. Après, je veux qu'il aille au stockage d'herbe aromatique, qu'il prend une herbe aromatique. Qui se déplace vers le pot de mixage, qui l'ajoute au pot de mixage rudimentaire. Bon, les baies aux épices, d'accord. Déplacer vers machin, ramasser, déplacer vers le stockage et ajouter au stockage. Oui, celui-là, on aurait pu. Et je fais ça et je veux qu'il fasse ça toujours. Voilà, normalement, ça, c'est la programmation qui va bien. Allez, on va lui demander de faire ça. Et je suis pile poil à zéro avec le. C'est pile poil le nombre de trucs à faire. Alors on le voit, on va le voir revenir. 3, 4, ok. Il se déplace vers le stockage d'herbe. Salut Thunder! Tu reviens dans 10 minutes, ok, pas de soucis. Bon, je lui mettrai une speed upgrade, hein. Donc je vais lui laisser en faire quelques-unes d'avance. Là, celui-là, on n'arrive jamais à le remplir. B ramassé 2000. Ok, autofruit. Ok, il est en train de le fabriquer. Il ramasse le B aux épices. Moi, je me déplace. Et il l'a foutu dans le stockage.
Ah, il est et ok, parfait. Bon, ça risque d'être un petit peu long, mais bon, c'est pas grave. Après, je pourrais déplacer le stockage juste à côté. Et pareil, l'herbe aromatique, mais c'est eux qui feraient l'aller-retour, donc c'est pas la mort. Alors, donc déjà, on a fait nos baies. Donc, nos premiers traitements ici. Donc, je vais faire une team nourriture. On va l'appeler nourriture. Voilà. On va caler notre copain ici, hein, notre nouveau robot. Hop. Voilà, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs qui vont faire ça. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est quoi, ça? Ah, il est encore en panne, lui. Faut vraiment que je mette un rechargeur pas loin. Ça, c'est team fabrication, ça. Ça, c'est team outil. Voilà, viens ici. Toi, pareil, c'est team outil. Un peu de maintenance. Là-bas, Osef. Ça, Osef, pour le moment. Ok. Donc, ça commence, on commence à avoir pas mal de team, là. Après, dans la team colon, on va prendre le monsieur qui faisait le ramassage des baies. Donc c'est lui qui ramasse et qui allait ramener. Donc lui, on va l'arrêter. On va le mettre dans un coin. Je vais le mettre ici. Je vais dire, viens par là. Voilà. Puis on va lui dire, lâche tout ce que tu avais en main, Coco. Voilà. Tiens, viens ici. Je vais ramasser tes baies. Et je vais les mettre dans le stockage. Comme ça, on va faire remonter un petit peu le stockage des baies. D'autant que lui fabrique, ça va être un peu long, hein, mais bon, c'est pas gênant. On va le laisser là pour le moment, parce que dès que ça commencera à être un peu rempli, je vais le faire utiliser pour qu'il vienne amener la bouffe ici. Voilà, toi, t'es en panne aussi. Parce qu'il y a un robot qui arrive. Oui, il y a quelqu'un qui vient le recharger. Toi, là-bas, il n'y a personne, à mon avis, hein, qui doit te rapporter hein, de toi. Alors, attendez, on va chercher dans la team recharge. Attendez, on va fermer tout le monde. Team recharge. Qui est le plus près de ta zone? Ouais, c'est pas mal. J'en ai deux qui sont dans cette zone-là, qui font pareil. Ouais, c'est dommage, faudrait que je l'écarte un tout petit peu. Donc on va l'arrêter, on va le faire... Change un peu ta programmation, je vais te décaler par là. On verra si ça aide pour la suite. Ah, hop, là, ils voient un robot qui est déchargé et il va y aller. Voilà. Donc ça, c'est fait. Allez, j'attends qu'il y en ait au moins une bonne trentaine là-dedans avant de m'en occuper. Ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient le recharger? Lui, là, non? C'est ça. Non, même pas. J'ai pas mis une recharge vers eux. Alors attendez, c'est parti. Si, pourtant, il devrait être pris en compte. Ah, mais... c'est celui qui recharge qui est KO. Ah, bah oui. Génial. Il faudrait un rechargeur pour recharger le... Ok. Donc, on a nos premières bouffes qui sont en train de se faire. Je pense qu'on sera un deuxième type de bouffe un peu plus tard. Là, de toute façon, on va être bien. Hein. On en aura suffisamment, des herbes aromatiques. Est-ce qu'on se fait un deuxième avec des pommes? Comme ça, on les laisse... Bon, les pommes, ça n'a pas l'air de réduire beaucoup. Donc, on est bien au niveau des pommes. Les champignons, ça va. Après, les pommes, est-ce que on les envoie à manger ici? C'est la question que je me pose. Colons, où sont mes petits colons? Pardon. Si, pourtant, il y en a qui amènent des pommes. Ok. On a le temps là. Ok. J'avoue que j'ai pas trop. Oui, je l'amène là-bas, comme ça évitera de toucher celui-là.
Ce que je veux voir, autant ça va me faire monter de niveau peut-être les petits bonhommes. Le sashimi, de toute façon, je peux pas le faire, je crois, pour le moment. Donc je peux faire court, je sais, on est en train, on le fait. Ça, je peux le faire. Et ça, je peux pas le faire parce que je n'ai pas les carottes. Est-ce qu'on a trouvé des carottes? Est-ce que j'ai des carottes pas loin? Va-t-on devoir chercher des carottes? Faudra qu'on s'occupe un petit moment de ces petits animaux avec un petit enclos qui va bien. Je crois pas que j'ai trouvé de carottes hein, pour le moment dans mes recherches. Parce que j'avais dû aller très loin pour aller chercher ces saloperies. On a des courges encore ici. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas regardé en dessous. Peut-être qu'il y avait d'autres choses. On va y retourner, tranquillou. On n'est pas très très pressé de toute façon. Bon, là, il y a le sable. Là, on a encore un pommier. Non, il n'y a que de la courge. Bon, là, c'est que du sable. Hein. Ok. On va peut-être regarder par là, juste derrière, au cas où. J'ai l'impression qu'il y a tout, n'est pas tout le temps à côté. On est obligé des fois d'aller chercher un peu loin. Petite poule ici. Minerai de métal. Trace de dépôt de minerai métallique. Tiens, 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 intéressant ça. Ah, puis on le voit ici, il y a des espèces de petits points dessus, contrairement aux autres. On va essayer de voir si je trouve des carottes. Ah, encore un avec du métal. Donc, on va voir ici. Non, là, c'est juste un truc plein d'arbres. L'argile. Donc, c'est le truc qu'il va falloir chercher pendant des heures encore. Il y a un petit plant de carottes. Il y a des feuilles blanches. On a trouvé des feuilles blanches. Ok, bleu. Je pense que ça aura son importance à un moment. Peut-être. On verra. Oh, des abeilles. Yes. Des petites abeilles. Ok. Bon, là-bas, l'autre, il va manger ça en 2 secondes. Toujours pas de carottes. On va faire juste ce champ rapide. Par ici. Les tulipes. Je pense qu'on les trouvera peut-être plus tard ou ailleurs, mais c'est pas très grave. Bon, allez. Ouf, ça c'est immense. Ça va être de l'autre côté. Juste pour m'ennuyer, c'est ça. De toute façon, à un moment, il faudra que je gère le coton aussi. Bon, c'est pas très très grave pour le moment. Je suis pas sûr qu'on en ait fortement besoin tout de suite. Ah, mais j'avais une trace de dépôt. Ça, c'est autre chose. C'est pas le même. Oh. Il y a 2 trucs différents. Il faudra qu'on aille faire une petite prospection, je pense. Ce sera intéressant de voir ce qu'il y a vraiment dedans. Si on va aller là, on va faire juste ça là-haut. Ces deux là. Là, on a ce qu'il faut, les graines de roseau. Ça nous permet de faire des graines ici de notre coco. Et cette graine de notre coco, j'en ai fait un palmier ici où il y a des noix de coco. Qui, à mon avis, il faudra donner un gros coup de marteau dessus ou autre pour le faire tomber. Allez, viens là, viens juste jeter ce qu'il y a ici. L'autre là-bas, il a. Et la vache, vas-y quoi. Elle en met de partout. Allez, est-ce que là, il n'y en aurait pas? Non, il n'y a pas. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est pas trop trop grave pour le moment. Est-ce que je me ferai un deuxième truc de bouffe? Je pense que oui. Comme ça, ça permettra d'alimenter plus facilement. Donc, on va se refaire un petit robot. On va gérer pour la bouffe numéro 2. Voilà. Et la petite planche qui va bien. J'ai oublié de faire ça avant. Salut Wet Wax!
Alors, ces deux planches, un poteau. Ah oui, puis j'ai oublié, faut que je fasse mon upgrade là de rapidité. J'en ferai deux d'ailleurs. Et... là, ici. Ah oui, puis on avait vu, il y avait le stockage. Ah oui, je peux pas le faire tant que j'ai pas l'upgrade. C'est vrai, le stockage de robots. Alors ça, j'ai envie de voir ce que ça donne. Faut attendre encore, on en est à la moitié. Bientôt, on va pouvoir peut-être faire un stockage de robots. Donc je pourrais faire des robots qui vont construire des robots. Ce qui peut être pas mal. Et ils vont me les stocker, et comme ça, quand j'en ai besoin, je sors un robot. Ok, alors, je crois que c'est là les upgrades. Voilà, la vitesse. Donc il me faut 4 engrenages, un poteau. Oui, c'est ça, 4 engrenages, un poteau. Donc pour les engrenages, il me faut une planche. Ok, bon, on va prendre 4 planches. Hein. Et je vais en faire 2, comme ça j'en mettrai une sur l'autre aussi. Alors ça semble que eux ils ont le droit je crois à 2 upgrades. Donc ça pourrait être intéressant. Et le petit poteau qui va bien. Allez, c'est parti. Tout pouf. Allez. C'est énorme. C'est un poteau, oui. J'ai un doute. La pof s'en suit, puis t'as... j'ai un moment qui est là-bas. Alors. Ouais, il a droit à deux upgrades. Est-ce qu'on peut lui mettre deux vitesses? Augmente la vitesse à laquelle les robots exécutent les actions. Par exemple, se déplacer sur les surfaces, utiliser des outils, etc. D'accord, donc il sera beaucoup plus rapide. Alors, c'est la version rudimentaire. Je pense, je crois qu'on a la, on pourra avoir une version. D'ailleurs, pour upgrader, il faut que je fasse quoi? Ah oui, je peux pas le faire pour le moment. Parce que j'ai pas encore les panneaux et les cadres, et ça, ça sera avec la prochaine upgrade. Ok. On va prendre celle-là, et on va l'amener à l'autre ici. On va attendre qu'il arrive. On va attendre qu'il termine ça. Parce que vu qu'il y a du chemin à faire... Après, il faudra que je vois, parce que comme je vais pouvoir paver, je vais sûrement pouvoir faire des... des trucs pour se déplacer. Elle est où mon upgrade? Quel con, elle est par terre. Quel boulet. Attendre qu'il revienne. Comme ça, il sera en train, quand il sera en train de les déposer. Ah, je peux pas, faut pas qu'il bosse. Alors, je vais attendre qu'il finisse son truc. Voilà. Là. Bon, là, ils sont toujours en train de faire à nous à bouffer. C'est plutôt cool. Qui est en panne. Allez, fin. Hop, viens, prends ton upgrade. Voilà, comme ça, tu iras plus vite. Ah oui, c'est beaucoup plus rapide.
Bon, il est obligé de passer par les arbres, c'est pas grave. Bah, peut-être que je déplace les caisses de ce côté-là, enfin, je vois. J'aurai peut-être plus tard. À un moment, de toute façon, on sera bien obligé de refaire un petit... C'est bon, tu viens de recharger? C'est toi le rechargeur? Non. Bon, on va y aller, hein. Tant qu'il se décide. Voilà. Alors. Deuxième monsieur qui fait de la bouffe. Je vais prendre mon truc à bouffe ici. On va le déplacer. J'arrive à le choper, voilà. On va le caler ici. Parfait. On va faire des petites caisses. Les gars, ils vont venir les traiter tout de suite. J'aurais pas besoin de le faire. Donc, le robot, toi ici. Toi là-bas. Donc, on va faire quoi? Ah oui, j'ai pas décidé ce que j'allais faire. On fait quoi? Les champignons. Non, les champignons, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Les pommes, il y en a pas mal. Donc, on va faire les pommes. Donc, petit monsieur, je veux que. Il faut que je te remette en place dans la programmation. Voilà. Donc, je veux que tu ailles chercher des pommes. 4 pommes. Ok. Que tu ailles les vider là-bas. Voilà. Après, faut que tu ailles chercher l'herbe aromatique là-haut. Depuis qu'on a ça, maintenant ça va tout nous débloquer, ça va être génial. Voilà, je veux que tu viennes la caler ici. Et là, on va attendre, faut attendre qu'ils finissent. Voilà. En attendant, on va faire la programmation du truc. Avoir les mains pleines. Là. Jusqu'à avoir les mains vides. Et après, on n'a plus qu'à tout déplacer. Donc le pomme mixage. Attends qu'il termine. Oula. Désolé. Problème de... Ça y est, les planches. Le poteau. On va aller chercher les planches et les derniers poteaux et ça devrait être bon. Mais parce que comme tant que c'est pas entier, on peut pas les. On peut pas les faire. Tiens, faudra que je regarde combien de bouffe on peut remettre. Heureux Thunder et salut Fall. Ça peut aller, ça peut aller. J'ai eu des moments où j'allais mieux. Faut juste que j'attende qu'il me termine mon. Ah mais ça y est, c'est bon. Pardon. Donc faut que tu ramasses ça et que tu mettes dedans. Voilà. Voilà, il a sa programmation. Allez, on va voir si ça marche. Donc il se déplace vers le stockage des pommes. Il a ramassé. Il a récupéré les 4 pommes. Voilà, il va aller chercher. Zut. Il manque ça. Je l'ai enlevé ça. Zut. On va le rajouter. Voilà, jusqu'à ce que...
J'étais allé trop loin dans la suppression des trucs. Voilà, comme ça, ça fait pile poil zéro. Ok. Allez, va bosser. Moi, je vais mettre ça là. Voilà, hop. Ok, il en est où là? 21. Alors, combien je peux emporter? Ok, on peut emporter 4. Donc, on va arrêter de ceux qui déplacent les... Alors... nourriture numéro 2, il est là. Voilà. Alors, ceux qui déplaçaient ça, qui envoyaient vers les colons, on va vous dire stop, les gars. Et on va te reprogrammer. Je veux que tu ramasses ça. Alors, je pense que je vais faire qu'il fasse un par un pour que l'autre, il ait le temps de les fabriquer. Ou est-ce que je lui fais pareil des mains pleines? Je pense qu'il va attendre longtemps. Les autres vont crever de faim en attendant. Parce qu'il ne les fabrique pas très vite. Ouais, je veux dire de les faire un par un. Pour qu'il y ait le temps. Et que tu envoies à nos petits bonhommes ici. Il n'a pas à manger donc. Hop, voilà. Il a un niveau 2. Donc il donnera 2 mamours. Pour le moment, on va faire ça, on va voir. Dès que j'aurai un petit peu plus de bouffe et plus de robots de bouffe, on fera comme ça. Allez, vas-y. Zut, la zone, j'ai pas fait gaffe. Je me suis pas trompé, là. Aux épices, ouais. Il doit avoir les mains pleines. Vite tes mains. Ouais, et puis la zone est un peu trop petite là. Voilà. On va essayer de poser les pommes. Non, je peux les mettre que là, d'accord. J'arrive pas à les poser, je vais les mettre à côté. Pas grave. Voilà. S'il les ramasse un jour. Alors. Il est en panne, le monsieur, là. Personne vient le recharger? J'étais obligé de le faire aussi, encore? Ok. Bon, pour le moment, ils sont tous contents ici. Ça a l'air de donner beaucoup plus de bouffe quand même d'un coup. De filer les niveaux 2. Donc, ils vont être assasiés plus longtemps, je pense. Là, il est en train de me les vider, les trucs. On va attendre que lui, il y en ait une vingtaine. On va passer à la suite. Là, ici, ils en sont à combien? Allez, plus que 300! On a le temps. Alors, on s'est occupé de la bouffe. On va peut-être sûrement en faire un troisième, mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Il faudra que je les mette juste là, je pense, en dessous. On verra. On les placera comme on peut, dès qu'on peut, surtout. On va essayer déjà que les deux là soient prêts. Dès que les pommes c'est bon, on l'enlèvera. Il viendra plus donner à bouffer ici. Ouais, ils ont l'air de durer vachement plus longtemps avec la bouffe. Et ils donnent plus de mamour. La baraque est bientôt cassée, il faudrait que je vérifie qu'ils viennent bien les réparer. Ici, il y avait quoi la possibilité déjà? Des graines de courge pour faire des graines de carottes. Ah bah voilà! Ah bah vie! Bah on va pouvoir faire nos carottes! Pardon, j'avais complètement zappé. C'est bon, on a notre champ de carottes. C'est parti!
Ah oui, c'était les herbes aromatiques qui nous manquaient. Des graines de courge. Allez, c'est parti, les premières carottes, enfin! Allez, on va les planter. On avait prévu ça qui aille jusque-là, donc on va les planter ici. Ouais, comme ça fera deux zones pour les carottes. Allez, est-ce qu'on peut les planter là-bas comme ça? Ou est-ce que il faut du sol labouré? Non, on peut les planter comme ça directement. Ok, excellent. Parfait, parfait, parfait. Ah oui, ça nous le dit en plus. Fertilisant, non. Oh non, labouré, non. Ok. Donc bien après on aura des trucs où il faudra fertiliser et tout. Là par exemple pour le blé aussi, il faudrait peut-être que je commence à prévoir pour la suite. Voilà, et là j'ai mon blé qui est planté. La botte de blé, si je me souviens bien, il faut donner des coups de marteau. Non, on va prendre ça. D'ailleurs, hop, bien ici. Voilà. Ils sont où mes outils? T'as trouvé le bon outil. Est-ce que j'en ai encore? Est-ce qu'il faut que je refasse un? Ou est-ce que je l'ai posé n'importe où? Il est là. Mais voilà, et ça donne de la paille. Et la paille va servir plus tard. Ok. Pour le moment, on va laisser comme ça. Toi, viens par ici. Toi, je vais te mettre ici avec les autres outils. C'est le bordel, hein. Mais là, en fait, c'est les outils, c'est les miens. Mais puis, chaque fois, si je, c'est quand j'oublie de les mettre dans les mains des robots. Donc, il faudra qu'au fur et à mesure, je leur remette. On va faire ça. Voilà, comme ça, je stocke la paille. Je vais la mettre ici pour le moment. On fera un vrai stockage à paille plus tard. Toi, viens ici. On va te mettre là. Avec les autres pelles. Avec les 300 000 pelles que j'ai. Ça, c'est pour faire mes tests. Tiens, de la paille encore. Viens ici. Tiens, on va te mettre là-bas. Voilà. Comme ça, tout est dans le coin. J'ai mes outils par ici. J'aimerais bien c'est que ça avance là. Ah, c'est lent. Parce que je vais pas les aider. Ouais, je vais aller les aider. Il y a beaucoup trop de mamours. Ah mais c'est des mamours de niveau 2, c'est ça? C'est pour ça qu'il les ramasse pas? Ça met par 10? What? Ou ça met par 2? Mon Dieu, mais c'est des mamours d'un autre type! Oh my god! Alors attendez, on va changer le robot ici, là. Toi, là. Stop! Viens par ici. Alors attends, je vais me mettre ici. Viens par là. Mon Dieu, ils me font des mamours de niveau up, là. Mais c'est énorme! Mais c'est génial! Mamour de colon x10, d'accord! Alors ici il y a 0. C'est qui déplace les mamours là? Attendez, on va essayer de trouver. Toi t'es là. Toi t'es qui? Déplacer, amélioration de recherche. Toi on va te laisser là. Alors c'est ici. Il y en a un qui ramasse les mamours là. Et c'est lequel de stockage? Je le vois pas, il est là. Et il glande. Parce que s'il a des mamours de colon de niveau 10, c'est pour ça. Viens, viens vers moi, petit. Non, c'est qu'il a des petits mamours.
Attends, hop, on va changer ta programmation, Coco. Vite ta main. Je veux que tu ramasses des mamours de colons x10 et que t'ailles me les caler là-bas. Voilà, maintenant c'est des x10. Voilà, nickel. Allez, go. Ah oui, ça va monter beaucoup plus vite en ayant des mamours de niveau x10. Là, il en est où? Il en est à 13. Lui, il est bientôt vide. Ouais, ça, il va vraiment falloir... D'accord, la bouffe, en fait, nous donne des trucs de ouf, quoi. Excellent. Ok, je vais garder un qui ramasse les mamours de base et un qui prend les mamours x10. Et après celui-là qui était là, là. Non, toi ici. C'est stockage AB, donc c'était pas toi, c'était lui. Et lui, il va changer parce qu'il a amené vers l'amélioration de recherche. Donc lui, on va lui demander plutôt de prendre les mamours ici. De niveau 10. C'est bon, l'autre qui est rechargé là. Voilà, ça va monter beaucoup plus vite là pour avoir les améliorations. Puis je pense qu'au bout d'un moment, j'aurai plus de mamours de niveau 1. Puisque je vais leur faire faire des trucs de pommes, etc. Des mamours de niveau 2. Ok, celui qui répare, il n'est pas là. Alors, monsieur qui répare, construction. Si, pourtant, ça doit être lui. Non, c'est qu'il est en train de bosser. Alors, peut-être que je lui mette une upgrade de rapidité aussi. Ok. On va les mettre ici. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, des mamours de niveau 1, j'en aurai plus. Ok. Donc, on va vite l'avoir, notre upgrade. Ça, c'est cool. On découvre plein de trucs. Il est excellent, ce jeu. Il y a plein de petites astuces, des petits trucs comme ça. Mais il reste quelques niveaux encore parce qu'il y a l'autre là qui donne des pommes. Où c'est le bordel ici? Il y en a plein de capoutes. Comme d'hab. Mon dieu. Celui qui recharge est en panne. Voilà. Celui qui recharge n'est plus en panne. Ok, des stockages d'épices, il n'y en a plus. Il vient d'en mettre un. L'autre a ramassé tout de suite. Ouais, je pense qu'il va falloir que je fasse d'autres trucs. Alors, on va faire un petit peu plus de bouffe que ça. Ok, normalement, il y a des autres gars qui devraient arriver pour les fabriquer. Vu qu'ils avaient fabriqué ça, ils feront ça. Plus, on va faire les stockages qui vont bien. Voilà. Pendant ce temps-là, ils vont me fabriquer ça. Et ben voilà. Alors, piste sableuse. Carrelage rudimentaire. Niveau 3, vous avez débloqué un nouveau niveau de recherche. Cool. Ouf. Ah oui, je comprends mieux. Il faut 10 000 après. Ah. Bon, on va déjà faire tous les trucs à 1000. Hein. Ce sera déjà pas mal. Technologie de traitement des déchets. Technologie de l'élevage. Les fibres, la gestion forestière, ok, de la scierie, de l'agricole, et bien on va avoir des trucs à faire. Puis il y a l'air d'avoir 10 niveaux de technologie ou de trucs comme ça. Oh, il y a ça aussi. Transport, abri, culinaire et des loisirs. 30 000 il faut. Niveau 4, niveau 5, 6. Déjà, il y a 6 niveaux, on a le temps, hein, et on va avoir pas mal de trucs à faire, hein. Puis en plus, comme le jeu est toujours mis à jour, ça risque d'être plutôt pas mal. Alors, on va les laisser faire ça ici. La carotte, est-ce qu'elle est prête?
Donc la carotte, il faut quoi? Il faut y aller à coup de pelle, je suppose. J'ai pas une pelle un peu pourrie là à ramasser. Je l'entame un peu plus que les autres. Là, j'en ai une aussi. Bon, celle-là, elle est correcte. Celle-là, elle est correcte. On est toujours bien. Ah là, elle est presque morte, celle-là. Ok, il faut la pelle. Parfait. Ben, comme ça, je ramasserai et je replanterai. Je vais faire deux lignes pour les carottes. Ah, ouh, les carottes. On peut pas les replanter. Ah, mais ça redonne une graine. D'accord, ça file deux carottes. Mais ça donne qu'une graine. Donc il va falloir que je fabrique des graines en masse. Des graines en masse. Donc je pense que je vais assigner un robot. Donc il va falloir faire un petit robot. Pour qui gère ça? Donc les petits comme ça, ça va être trop. Donc il faudrait que je fasse un robot comme ça ici. Bon, après, on n'est pas pressé pour qu'ils nous les fassent. On va faire du stockage. Alors, le stockage de base, comme j'en veux pas plus de 20. Ah oui, il y a plein de trucs là qui ont été faits. Ok. Mais je peux toujours pas faire mes nouveaux robots, en gros. Je vais mettre deux caisses, comme ça on pourra faire les deux types de... pour plus tard. Alors, on va signer un robot. Là, ils sont en train de me construire tous les trucs. Je vais voir si je les déplacerai après, quand ils auront fini. On va se faire un petit robot. Toujours les petits robots. Alors, une planche, une... Je vais finir l'aventure, j'aurai à peu près 200 robots. Planche. J'arriverai pas à retenir un jour, tout le temps. Allez. Et j'ai oublié de remettre. Ok, deux planches, un poteau. Et là, un chac. Allez. Tum 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 tum. C'est dommage, ils auraient pu faire que quand on... Quoique, je crois qu'on peut les habiller, les robots. Moi, je vais être mort de rire. Attendez, je vais essayer de regarder si c'est possible. Je vois bien mettre la petite toque de cuistot au robot. Bon, toi, de toute façon, on va te programmer. Toi, t'es pas là pour ça. Toi, tu es là ici pour faire des graines de carottes. Donc, pour faire tes graines de carottes, il te faut deux herbes aromatisées. Donc, on va aller les chercher. Une, deux. Ouais, j'aurais peut-être pas dû les prendre par terre. Quoique, on peut les prendre par terre, il y en a tellement. Va les mettre là-bas. Là, et je veux que tu prennes des graines de courge. En fait, je pourrais en prendre qu'une. Non, je vais prendre les deux parce que je veux fabriquer le truc. Une, deux, et... Viens les mettre ici. Et ça, il est toujours pas fabriqué. Donc, ça va être la merde. On va le laisser. Ça la fabrique déjà. Il est où, le robot? Est-ce qu'il a suivi? Ok, après je veux que tu ramasses, mais ça va être problématique. Donc je vais stopper sa programmation pour le moment. Je veux que mes constructeurs, ma team construction... Ah, ils sont encore en train de fabriquer. Je vais pas les arrêter, je vais attendre qu'ils terminent. Ils ont encore un peu à faire. Je vais lui demander... Ben, l'autre en attendant, il est où? Il est par là. Viens vers moi.
Puis d'ailleurs, j'ai complètement oublié de relancer des recherches, moi. Alors. Des murs de base. On va essayer de faire ça. C'est déjà pas mal. Parce que tout ce qu'on a déjà encore à faire de recherche. Donc, faut que je ramène une bûche. Alors, une bûche. C'est parti. Allez. Comme ça, ils vont commencer à mettre les mamours. Là, pour le moment, ils les stockent. Puis ils me les videront un peu plus vite. Ok, c'est bien. Ils sont en train de bien vider les stocks. Donc, c'est plutôt cool. Allez, j'arrive avec ma bûche. Voilà. Allez, c'est parti. Travailler, fouetter les mamours. Comme ça, ça montera un peu vite. Au bout d'un moment, lui, le stockage ici, quand il sera vide, les robots, on les changera pour qu'ils prêtent des mamours de niveau 10. Ça ira beaucoup plus vite. Ok, là, ils ont terminé. La team construction a fini. Donc, t'as pas de plan à proximité, là. Oui, c'est pas assez près. Alors, vous vous arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, on va faire ça. Et on a lui, on va faire pareil, on stoppe. Et on lui demande, pareil, de s'occuper ça là-bas. J'ai qu'elle est où ma graine? Je l'ai posée n'importe où. Zut. Où est ma graine? Rendez-moi ma graine. Je l'ai mise où? J'ai dû la lâcher quelque part. Mais alors où? Ma graine de carotte, elle est où? Est-ce que ce serait sous le robot? Zut, j'ai paumé une canne de carotte. Si quelqu'un l'a vue, n'hésitez pas à le dire, parce que je vois pas où elle est. Où est-ce que je l'ai posée? Qui a mangé ma graine de carotte? Rendez-moi ma graine de carotte, s'il vous plaît. Bon, sinon, c'est pas grave, je vais en refaire une autre. Allez, je vais en refaire une autre, c'est pas la mort. Comme ça, je pourrais finir la programmation du monsieur. Là, je les ramasse ici, hein, parce que là, les trucs sont pleins. C'est pas utile de faire travailler tous les robots. C'est bon, j'ai pris ce qu'il fallait. Voilà. Alors, toi, est-ce que j'ai fini ta programmation? Déplacer la station de plantes, ajouter la station de plantes, ramasser les graines. Donc, ça, je veux que tu ramasses. Et taille le calé là-dedans. J'ai pas pu. J'ai ramassé un mouton. Mais c'est le mouton qui a bouffé ma graine de carotte. Saloperie. Saloperie de mouton. Il a bouffé ma graine de carotte. Sérieux. Mais le mouton va bouffer ici. Non mais sérieux. Le mouton a bouffé ma graine de carotte. J'y crois pas. C'est pour ça que je la retrouvais plus. Mon dieu. Eh mais faut faire gaffe quand on fabrique des trucs. Putain, le mouton il s'est jeté dessus. Je suis obligé d'en refaire une. Putain, il a capté de loin la graine de carotte, saloperie! Il va falloir que je mette des barrières! Allez, je vais les ramasser là, c'est pas grave. Au moins, il travaillera. Voilà. Ah, on peut pas les mettre là-dedans. Ah. Dans quoi on peut les mettre?
Ok, c'est pas des bombes, d'accord, c'est dans les silos. J'aurais dû regarder avant, c'est pas grave. Ça servira toujours de toute façon. Non, alors les gars, fabriquez-moi ça à la place. On va les mettre derrière, c'est pas grave. Hop. Alors, on va faire comme ça. Ça, on va le déplacer ailleurs, c'est pas grave. On va le caler là pour le moment. On va les caler ici pour le moment, c'est-à-dire c'est les stockages de préconstruits. Ça servira pour le début. Et c'est beau, ils sont en train déjà de le construire, mais je vais le décaler là, pardon. Voilà, hop. Et la team construction. La team, il manque lui. On va faire ça. Vas-y. Voilà. Ah non, mais sérieux, le mouton? Non, mais sérieusement, sale bête, il m'a bouffé ma graine, j'y crois pas. Tu vois, le mouton, tu vas me faire de la laine après, tu vas voir. Allez, on termine avec ça. Allez. Ah bah oui, ça monte beaucoup plus vite là. On est déjà à 430. Ok, là ils ont fini, donc on va pouvoir commencer à faire nos robots qui vont bien. Pour faire plus de bouffe. Parce que je vais pouvoir faire quoi? J'ai fait les pommes, j'ai fait les ça. Donc je vais pouvoir faire les champis. Les courges. Donc nickel, donc j'ai les deux trucs de plus. Comme ça ils pourront venir donner à manger ici. Et après je pourrais déplacer ceux qui prennent la bouffe ici, de les mettre là. Leur dire de prendre la courge ou des... ou d'autres. Là il en a fait, là il a la bourre, hein, il n'en peut plus. Il n'arrive pas à les faire tous. Allez, finissez-moi ça, avec les dernières bûches. Mais quoi, c'est un petit que j'ai mis? D'accord. Ok. Toi, on reprend ta programmation. Donc là-dedans. Voilà. Ah, on peut en mettre 100. On va les faire, hein. De toute façon, après on les donnera à manger aux moutons. Qui les bouffent. Alors. Oui, alors niveau programmation pour le moment. Donc ramasser. Déplacer. Donc tac, tac, tac. Ça, c'est ok. Après, déplacer vers station et l'ajouter à la station, je peux enlever. Graines de courge à proximité, on garde les trois, on enlève les trois là. Déplacer vers la station. Voilà, comme ça, j'ai récupéré de la... Voilà, ça on peut enlever, ça on peut enlever, ça on peut enlever. Voilà, j'ai gagné un petit peu de... Ok, donc, on va sortir ça. On va faire ça, on va faire ça ici. Voilà, donc ramasser les herbes aromatiques. Donc on veut qu'il les fasse deux fois. Parce qu'on veut qu'il en ramasse que deux. Après... On veut qu'il se déplace vers la station. Et qu'il le fasse deux fois. Jusqu'à avoir les mains vides en fait. On pas besoin à réfléchir. Après, est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que je vais être obligé de lui rajouter de la mémoire à monsieur? C'était une erreur, c'est pas comme ça. Deux fois. Là, je vais pas avoir assez de mémoire. Faut que je lui fasse un boost de mémoire. Pour arriver à le faire en une seule fois. Parce que là, je fais deux fois. Après ça, pareil, il va falloir qu'il le fasse deux fois.
Alors, on va voir si j'arrive à le programmer. Plus après une complète tout autour. Et puis il lui manque aussi pour déplacer la station, ajouter la station. Ah non, j'ai ramassé la graine de courge. Ramasser la graine de carotte, déplacer la graine de carotte, ramasser la graine de carotte. Ah, et puis il manque le truc de mettre dans le stockage. Non, il faut absolument que je lui booste la mémoire. Il pourra pas le faire. Ou alors je fais deux robots. Mais bon, c'est pas terrible quoi. Je vais aller lui faire un boost d'extension. On va stopper. Parce qu'il manque des trucs de toute façon. Alors, un petit boost de mémoire comme ça. On va voir jusqu'à combien on peut monter. Alors, ça c'est l'énergie. Amélioration basique pour cerveau de robot. Augmentation de mémoire, voilà. Allez, on va en faire une. Auto, fois 2. Et deux petites graines. Alors, si on te met ton petit boost de mémoire. Jusqu'à combien tu montes? T'as que 2K disponibles de plus? C'est pas terrible, hein? À mon avis, il faudrait que j'aille prendre les graines de courge dans le stockage. Parce que ça enlèverait une, deux. Parce que là, j'aurais toujours pas assez, en fait. Il me reste plus qu'un cas derrière et il manque encore des trucs jusqu'à avoir les mains vides. Graines de carotte à proximité pour la ramasser, mais il manquera toujours le fait que devoir les mettre. Donc faut que je gagne de la mémoire. Donc herbe aromatique, on va aller plutôt lui dire les prendre dans le stockage. Comme ça il n'aura pas. Ça va, on va gagner 1 kilo. Vous êtes en panne, les gars. Voilà. Donc. Voilà, on a gagné 2 kilos. Là, ça va être pareil. Alors, je vais lui stopper la programmation, puis je vais reposer la courge ici, voilà. Déplacer vers la station jusqu'à avoir les mains vides. Ça, pareil, des graines de courge, on va aller les chercher plutôt dans le stockage. Donc on va lui dire d'aller chercher ça ici. Il faut faire de l'optimisation déjà, quoi. Alors qu'on fait un truc super simple, quoi. Voilà, 3 kilos, et normalement je devrais avoir assez pour qu'il fasse le déplacer, le ramasser et déplacer dans. Parce qu'il a le grain, ben non, le grain de carotte à proximité, il n'y a pas besoin. Et il manque juste le ramasser et faire. Donc, je vais stopper la programmation. Voilà, et c'est limite, hein. Donc on va aller chercher les petites graines des herbes aromatiques. On va aller recharger les messieurs au passage là. Je pense que celui qui s'occupe de la recharge est KO. Voilà.
J'en ai qu'une. Je ne peux pas ramasser la deuxième. Bon, j'en ai mis une un peu n'importe où, c'est pas grave. Hop. Hop, voilà. Les deux. En espérant que les moutons me bouffent pas ma graine de carotte. Et deux graines de courge. La ramasser et la programmation, je vais dire que je veux que tu la mettes là. Voilà. Ok. Bon, allez. Au boulot, feignasse. Je te mettrai une petite upgrade rapidité aussi. Colon logé, fabriqué de la mamour. Parfait. Allez, qu'est-ce qu'on gagne? Ouh, je suis en train de voir, mon dieu. Manteau de Père Noël. Ok. Transmission de robot MKM variante. Record de robot MKM variante. D'accord. On a gagné des trucs. Merveille de tête en pierre mystique. Nourrissez-la avec des objets inanimés pour les désintégrer. D'accord. Voici votre dalle commémorative. Ok. Pour le certificat d'acquisition de niveau 2. Ok. Alors, ceux qui sont sur Twitch, inquiétez pas. Je vais juste faire le petit speech pour YouTube. Parce qu'on va continuer, hein, on va faire encore une petite heure. YouTube, bah, n'hésitez pas à venir sur le live en Twitch. Hein, sinon, bah, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage. Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez,